Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%, ce début de semaine, un 101%, comme vous n'en avez jamais vu, puisque vous ne l'avez pas encore vu, à part si c'est une rediffusion, vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais arrêter là, parce que sinon je peux vraiment faire beaucoup, je peux faire une émission rien qu'avec ça d'ailleurs. Nous avons une invitée exceptionnelle, elle ne pouvait pas être là le vendredi, donc je l'ai en invité dans le 101% du lundi, je suis super content, mais il y a un sommaire. Alors, critique jeux vidéo, oscillation et... Autoplay Sample. C'est un peu plus loin qu'avant maintenant avec ce plateau, j'ai un peu du mal. Mais on commence avec les news. Et c'est quoi le jeu? Fancy Pants. The Fancy Pants Adventure. La célèbre licence de jeux vidéo de football américain a dévoilé un nouveau trailer pour son 12e titre. Nous parlons bien évidemment de Madden NFL 12. Toujours développé par Tiburon et bien évidemment édité par Electronic Arts, on ne s'attend pas à un titre révolutionnant le genre, mais plutôt à un jeu s'inscrivant dans la continuité de la série. Toutefois, avec un peu de chance, on aura peut-être encore Barack Obama dedans. Enfin, pas jouable, hein, en cinématique. Pour le moment, seule une date de sortie pour les États-Unis a été communiquée. En l'occurrence, fin août 2011, mais a priori, le jeu devrait également voir le jour en France. On vous en a déjà parlé dans une news, mais au cas où vous ne seriez toujours pas au courant, Legend of Zelda Ocarina of Time est attendu sur 3DS pour le 17 juin 2011. Nintendo semble décidé à nous aider à patienter avec un nouveau trailer. Malgré le plaisir que l'on prend à regarder cette vidéo, on apprécie moyennement leur intention de sortir le jeu dans un nombre d'exemplaires limité, soi-disant pour éviter les invendus. Un trailer tout en finesse maintenant pour annoncer la sortie de Mount & Blade with Fire and Sword sur PC. Le jeu, toujours édité par Paradox et développé par Tailworlds, un studio indépendant, est déjà disponible en téléchargement sur la boutique officielle du jeu. Comme dans le précédent titre, le joueur incarne un mercenaire devant recruter des troupes et les mener au champ de bataille, mais l'une des nouveautés est l'arrivée des armes à feu, ce qui promet quelques changements stratégiques. Sont attendues également 7 nouvelles cartes multijoueurs pouvant réunir jusqu'à 64 joueurs. À préciser que le studio Tailworlds est indépendant et que le jeu est vendu à petit prix. Une initiative à saluer donc, surtout quand on connaît le succès qu'a eu Mount & Blade Warband. En espérant donc que la licence continue son petit bonhomme de chemin, en s'améliorant de titre en titre, on recommande aux joueurs PC de s'essayer à la démo. Je suis très heureux de recevoir, alors je vais peut-être écorcher votre nom, excusez-moi, Erecta Katsa, donc vous êtes polonaise, et donc vous avez sorti un album, voilà, en Pologne. Il faut savoir que cette jeune fille est très très connue en Pologne, puisque bah, c'est une geek, on dirait pas comme ça, mais c'est une geek. Et, alors ça vient pas forcément des États-Unis ou du Japon. Il y a des modes qui viennent aussi des pays de l'Est. Et Erecta Katsa est une geek qui chante. Vous remplissez des opéras entiers. Tak, grand opéra Warszawa, grand opéra Paris, bientôt. D'accord. Et partout dans le monde, car beaucoup public pour. Ouais. Musique de jeux vidéo, il faut le dire. Tak. Musique de jeux vidéo, parce qu'on pourrait croire qu'elle chante de l'opéra, mais pas du tout. Son album s'appelle d'ailleurs Happiness, hein. Et vous allez nous faire un petit morceau, parce que c'est un petit peu spécial. Enfin bon, on en reparlera après la critique de jeux vidéo.
Fancy Pants Adventures est à la base une série de jeux flash gratuits développés par un auteur indépendant, Brad Bourne, qui comprend à ce jour deux titres. Fancy Pants Adventures World 1, sorti en 2006, et Fancy Pants Adventures World 2, sorti en 2008. Toujours accessible sur des sites tels que Newgrounds ou Armor Games, ces derniers ont acquis une grande popularité, grâce à un gameplay plateforme très speed et acrobatique, doté d'une énorme inertie permettant aux personnages de prendre de la vitesse pour réaliser des sauts gigantesques, courir sur les plafonds et effectuer des loopings aériens. Nommé Fancy Pants Man, le personnage contrôlé se présente sous la forme d'un petit bonhomme crayonné, avec le corps d'une allumette, un bermuda flashy et une coupe de cheveux dans le vent. Animé avec une grande fluidité, ce dernier se déplace dans des mondes également dépouillés et crayonnés, comme dessinés par un enfant. Alors que Brad Bourne travaille toujours sur un troisième volet, nommé World 3, il a adapté sa série sur console HD avec la collaboration du studio madrilène Over the Top Games, responsable du sympathique Nyx Quest, Kindred Spirits, sorti sur le WiiWare en juin 2009 et récemment adapté sur PC et Mac. C'est Electronic Arts, ou plus précisément EA2D, une entité spécialisée dans les jeux dématérialisés, qui s'est occupée d'éditer The Fancy Pants Adventures sur le Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Mais il ne s'agit pas d'un simple portage, le jeu proposant entre autres la possibilité de jouer jusqu'à 4 online ou sur un même écran. Le jeu débute dans une maison faisant office de hub. Il est ainsi possible de naviguer dans plusieurs pièces afin d'accéder à son armoire, à sa chambre, à un niveau d'entraînement, à des défis arcade et bien sûr au mode histoire. Dans ce dernier, vous devrez parvenir à délivrer Cutie Pants, qui n'est autre que la petite sœur de Fancy Pants, enlevée par des pirates. Mais celle-ci n'est pas du genre à se laisser faire, alors inutile de vous faire trop de soucis. Un scénario minimaliste donc, mis en scène via de petites cinématiques in-game, dont la direction artistique ne sera pas du goût de tout le monde. Les dessins sont grossiers et le character design des pirates, par exemple, risque de faire pleurer bien des graphistes en herbe. C'est un peu comme si les développeurs avaient animé à la va-vite des dessins pour enfants ou sorti un prototype du jeu avec des graphismes non définitifs. Alors bien sûr, il s'agit d'un choix esthétique visant à respecter l'identité visuelle des précédents jeux Flash. Mais cette version étant plus riche visuellement, et qui plus est en haute définition, le choc est rude. The Fancy Pants Adventures est un jeu de plateforme empruntant tout autant à Sonic qu'à Mario. On peut donc sauter pour atteindre certaines plateformes ou se débarrasser des ennemis en atterrissant sur leur tête. Si le joueur se contente d'un saut normal, l'ennemi sera assommé et il sera alors possible de l'envoyer valser à travers l'écran d'un coup de pied. Et même de réaliser des combos en le kickant à plusieurs reprises. En maintenant le bouton de saut appuyé, le personnage pourra également prendre appui sur la tête des ennemis pour sauter plus haut. Le saut mural revêt aussi une grande importance, tout comme la possibilité de prendre de la vitesse en dévalant une pente afin d'exécuter diverses figures acrobatiques ou encore des glissades. Au bout de quelques niveaux, on obtient la possibilité d'utiliser une arme qui donnera accès à divers mouvements d'attaque, toupie à la Zelda, coup chargé, etc. Chaque niveau comprend tout un tas de gribouillis à collecter, ainsi que des objets bonus ou des salles de test proposant un mini-défi particulier. Ici par exemple, il faudra parvenir à kicker ce gribouillis lumineux pour l'emmener jusqu'à la fin du niveau dans le temps imparti. On peut donc parvenir jusqu'à la sortie d'un niveau sans l'avoir complètement achevé, d'où l'opportunité de les rejouer indépendamment les uns des autres. Une fois un niveau terminé, on débloquera au choix des vies, un couvre-chef, une arme, un bermuda ou un bonus aléatoire. En tout, plus de 140 armes et pièces d'équipement sont accessibles, ce qui permet de personnaliser son perso et de le distinguer ainsi plus nettement lorsque l'on joue à 2, à 3 ou à 4. Car la grande force de The Fancy Pants Adventures, c'est son mode coop. Parfaitement fluide, le jeu zoome et dézoome automatiquement en fonction de l'éloignement des personnages. Et si l'un d'eux avance plus vite que les autres, les retardataires seront automatiquement téléportés pour ressortir par une porte qui apparaît comme par magie à côté du meneur. Mais attention, contrairement à New Super Mario Bros. Wii, cette téléportation aura un coût. Vous voyez cette jauge sur la partie gauche de l'écran? Eh bien, cette dernière indique le nombre de gribouillis récoltés par chaque joueur. Les joueurs ayant les meilleurs scores seront en effet les premiers à pouvoir sélectionner leur bonus de fin de niveau. Du coup, une dimension compète s'intègre très vite au jeu, et il n'est pas toujours évident de s'entendre avec ses petits camarades. En fait, ça tourne souvent à la foire d'empoigne, d'autant plus qu'il est possible de ramasser les gribouillis perdus par un partenaire lorsqu'il se fait toucher par un ennemi, voire de le frapper à l'aide de son arme pour littéralement le saigner de ses gribouillis. Lorsque les scores sont serrés et que l'on approche de la sortie, la différence peut facilement se faire à grands coups de pelle dans la tronche, Bernie style. Ce côté compète inhérent au mode histoire est exacerbé par les défis arcade, qui se présentent sous la forme de courses ou d'épreuves King of the Hill assez amusantes. Il faudra néanmoins parvenir à coopérer de temps à autre en se propulsant mutuellement, par exemple, afin d'atteindre un bonus ou une zone autrement inaccessible.
The Fancy Pants Adventures est un titre sympathique, quoique largement inférieur à un New Super Mario Bros. Wii. Pour commencer, il est laid comme tout. C'est un style, certes, mais un style laid comme tout. Ensuite, le jeu tourne très vite au bordel absolu. On ne sait pas toujours pourquoi l'écran suit tel joueur au détriment des autres, par exemple. Le fait de pouvoir frapper ses partenaires est certes très drôle, mais également handicapant lorsque l'on cherche à éliminer un ennemi ou un obstacle en même temps. Alors si vous cherchez un bon jeu de plateforme à télécharger, allez plutôt jeter un œil à Outland par exemple, récemment critiqué dans 101%, ou à Super Meat Boy. Si vous souhaitez un bon jeu de plateforme coop, foncez vous acheter une Wii avec New Super Mario Bros. Wii. Mais si votre objectif est simplement de passer un bon moment avec des amis, en enfilant des Bermudas aux couleurs improbables pour faire la course et vous taper dessus, alors The Fancy Pants Adventure devrait être à même de vous séduire, ce dernier étant finalement au jeu de plateforme ce que Castle Crashers est au Beat'em All. Recta, vous allez pour nous, pour le public d'Anno Life, interpréter une chanson geek, donc, à la bouche, puisque vous chantez a cappella. C'est ça. Bon, bah, quelle chanson vous avez choisie? J'ai fait chanter la London Ranch. De Zelda. Tac. Très bien, bah, allez-y. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue dans Oscillation. C'est avec Mario Kart Wii que nous nous lançons aujourd'hui dans notre nouvelle thématique du mois, celle de la course. Mario Kart Wii est le 7e volet de la série des Mario Kart. Il sort en 2008 et reçoit un accueil très enthousiaste. Sa bande sonore a été composée par Ota Asuka et Nagamatsu Ryo. Il serait facile de parler des musiques qui accompagnent les différents circuits ou encore de la remasterisation des morceaux issus des volets précédents de la série. Il n'y a aucun doute, Mario Kart Wii surprend par une bande sonore extraordinairement riche, comportant plus de 70 morceaux différents. Ce n'est pourtant pas la quantité qui rend l'univers musical de Mario Kart Wii aussi riche. Ota Asuka et Nagamatsu Ryo vont beaucoup plus loin que de simplement accompagner les circuits musicalement, ils recréent carrément les événements et les émotions de la course en musique. Voyons ça de plus près. Dans un premier temps, notez que la petite mélodie qui accompagne la fin d'une course varie toujours en fonction du placement du joueur. Elle est vraiment héroïque et joyeuse lorsqu'on se place premier. Dès la deuxième place, l'air devient un peu plus retenu. Et à partir de la sixième place, la mélodie signifie clairement le mauvais classement avec des instruments au timbre maladroit et titubant. Il en va de même pour le petit air qui accompagne les scores qui suivent. Ici, nous trouvons une mélodie joyeuse ponctuée de petits bruitages comiques. Dès
un plus mauvais classement, la même mélodie est reprise dans une version plus lente et triste, sans pour autant perdre sa petite touche d'humour. Cette même logique est bien se reconduite jusqu'au classement final, où une troisième variation vraiment effondrée, jouée notamment sur des flûtes à bec, peut être entendue si le joueur n'a pas réussi à gagner un trophée. La musique accompagne également tous les événements de la course, de l'étoile d'invincibilité au méga champignon ou encore le nuage zap. À chaque événement, la musique va s'adapter en devenant par exemple très aiguë et écrasée lorsque le joueur est rapetissé. Notez que lorsque les autres personnages sur la course sont affectés par un changement d'état, ils émettent la musique correspondante et permettent ainsi aux joueurs de les repérer aussi bien en distance qu'en direction. Le jeu gère ainsi le volume et la provenance des différents sons à la perfection. Il y a encore une infinité d'éléments qui pourraient ainsi être cités. Soyez bien conscient que dans Mario Kart Wii, aucun événement du gameplay ne reste sans son accompagnement musical bien spécifique. Sur certains circuits, on peut même noter un changement dans l'instrumentation des musiques en fonction de la position du joueur. Mario Kart Wii est ainsi le parfait exemple d'une réelle symbiose entre la musique et le gameplay, où la bande sonore ne se résume pas à accompagner, mais devient élément intégrant du jeu. Ota Asuka et Nagamatsu Ryo poussent le bouchon très loin et réalisent cette symbiose jusqu'à la quasi-perfection, se servant notamment de la Wiimote pour produire des bruitages supplémentaires. Un travail vraiment exceptionnel. Rectar, merci beaucoup pour votre chanson tout à l'heure. Oui. C'était très beau. Ce qui tombait bien, c'est que juste après, on a eu Oscillation et c'est notre émission sur la musique de jeux vidéo de No Life, donc ça tombait bien. Et ce qui tombait encore plus bien, c'est que c'était une émission sur Mario Kart Wii et vous, maintenant, vous allez nous chanter du Mario a cappella. Tac, j'ai choisi la musique la plus connue de tous joueurs. Oui. C'est Overworld. Overworld de Mario. Très bien. Je rappelle qu'Erecta remplit des salles entières en Pologne, n'est-ce pas? Et que vous êtes en tournée en France. Mais on en reparlera juste après. Et alors, donc Mario de Erecta et juste après Autoplay Sample. Allez-y. Juste un petit peu plus court. Bravo, 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 bravo. Te plaît. Si. That's Rally X. Speeding, racing, dodging, chasing. Lucky special, find those flags. Beat them, smoke them, trick them, choke them. Bonjour et bienvenue dans Autoplay Sample. Aujourd'hui, on va parler des téléchargements, des intros qui vont entrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite, les sorties d'albums. On commence les sorties d'albums cette semaine avec la bande originale de Automedius. Peut-être vous avez déjà entendu parler du jeu parce qu'on a fait la critique sur No Life. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il faut imaginer le plus grand shoot de Konami, donc Gradius. Et
ils ont fait une espèce de fusion pour rendre tout ça moe. C'est-à-dire qu'ils ont pris des otomées, des jeunes filles en japonais, avec Gradius, ça fait Otomedius, donc vous imaginez des filles très en forme, avec des espèces de jupettes en forme de grands vaisseaux, des shoots de Konami, et vous secouez tout ça, vous mettez un peu de Parodius dedans pour le côté un peu débile des ennemis et des stages, et voilà, vous avez Otomedius. Pour les musiques, c'est un petit peu pareil, on retrouve des extraits de tous les grands shoots de Konami, comme Gradius forcément, XXX, Salamander, Twinbee, y a quoi, Space Mambo par exemple, et ils les ont mis tels quels dans le jeu, donc les versions MSX ou Arcade, ou par exemple Super Famicom. Et ils ont fait un petit truc en plus, enfin ils ont fait beaucoup de trucs en plus payants dans le jeu, c'est-à-dire que pratiquement le jeu, il n'y a pas grand-chose en soi, après il faut tout télécharger. C'est aussi le cas de plein de packs de musique qui sont des remixes de tous ces grands titres. Donc pour faire ces remixes, ils ont fait appel à des musiciens made in Konami comme Maeda Naoki ou Yamane Michiru, la compositrice de Castlevania notamment. Aussi des musiciens d'autres entreprises comme Koshiro Yuzo, donc le compositeur d'ActTreasure. Tout plein de gens, y compris des remixeurs comme Oulaken ou Poulecraft, et voilà, ça donne un gros truc dans 3 CD, et c'est vachement sympa. Continue avec la nouvelle compilation SQ. Peut-être SQ comme initial, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est pour Square, donc Squaresoft, Square Enix maintenant. Cette fameuse entreprise spécialisée surtout dans le RPG. Et ils ont fait plusieurs compilations depuis l'an dernier qui mettent en scène donc des musiques de leurs jeux reprises par la scène jazz et électro japonaise, donc avec des musiciens plus ou moins underground. Donc cette fois-ci, ça s'appelle More SQ. On trouve toujours du Chrono Trigger, du Final Fantasy, Live Alive, Nier, des choses comme ça. Et avec vraiment des groupes qui marchent bien, donc voilà, on en a dans le style jazz, dans le style électro, donc par exemple on a Sake Rock, on a Jabberloop, Sasakule Yuke, Electro Cutica, ou encore Piano Jack comme d'habitude. Et moi je suis contente parce qu'il y a Mouse on the Keys dedans, et j'aime bien Mouse on the Keys, et ils reprennent du FF8. Bon, j'aime moins FF8, mais voilà, il y a Mouse on the Keys. Sortie d'album, ça va être quelque chose d'un style tout à fait différent puisque c'est la grosse box, la boîte avec 8 CD des OST de Medal of Honor. Donc, j'imagine que vous connaissez tous Medal of Honor, c'est une grosse série de jeux de guerre qui reprennent souvent des épisodes historiques qui ont existé, comme le débarquement en Normandie. Donc avec ce type de jeu, il faut que ça rende cinématographique, et comme c'est le cas notamment pour beaucoup de jeux américains, c'est de l'orchestral ou des choses, voilà, faut qu'on ait un sentiment héroïque là-dedans. Pour les compositeurs, on en retrouve surtout deux. D'abord, il y a Michael Giacchino, alors voilà, ma prononciation d'italien n'est pas super. Donc, c'est lui qui a composé la majorité des musiques pour les jeux de Medal of Honor. Et on a aussi Christopher Lenners qui, lui, avait travaillé pour des jeux de James Bond ou Mass Effect. Là, on va aller très loin en arrière, enfin pas tant que ça quand même, dans les téléchargements cette semaine, puisqu'on va parler d'Amiga. Peut-être vous connaissez El Mobo ou Moby, c'est fait appeler comme ça, c'était un compositeur de musique de jeu pour l'Amiga notamment, donc il avait travaillé sur Geisha, The Tinies ou Fury of the Furies, et il a mis ses chansons en téléchargement à prix libre sur son site. Alors c'est-à-dire qu'on peut télécharger ça gratuitement si on veut, ou on peut lui donner 10 millions de dollars si vous avez envie qu'il roule en... La première intro cette semaine, ce sera celle de Dungeons. Et là, vous vous dites, un jeu qui s'appelle Dungeons, en plus c'est une simulation de donjon.
Ça ressemble quand même beaucoup à Dungeon Keeper, tout ça, et non, c'est différent, puisque cette fois-ci, on gère un donjon de manière à ce que le héros arrive jusqu'au but, ce qui est tout de même le contraire d'un Dungeon Keeper. Et vous avez remarqué que, je sais pas, moi j'ai l'impression que dans ces jeux type Heroic Fantasy, ils aiment bien faire des intros avec un humour un peu potache, mais c'est pas toujours très drôle. La deuxième intro de la semaine, c'est celle de Hard Cops Uprising, donc le dernier épisode de la fameuse série Contra. J'imagine que vous connaissez quand même la série Contra parce que c'est une des grosses séries de Konami qui a débuté sur arcade et ensuite sur plein de consoles. D'ailleurs, en France, ils ont trouvé que voilà, des gens qui tiraient sur toi avec des pistolets, c'était trop violent, donc ils ont mis des robots à la place, ils ont appelé ça Probotector. Peut-être vous le connaissez sous ce nom-là. Donc, Contra Hard Cops Uprising, on fait ça en 2011 sur plateforme de téléchargement, mais quand même, quand on regarde l'intro en dessin animé, on a l'impression d'avoir un jeu Saturn. Je sais pas, moi ça m'a tout de suite fait penser à ça, et le jeu reste dur hein, quand même, mais voilà, c'est de la bonne plateforme pour les super players, pas pour moi. Ce numéro d'Autoplay Sample est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, tant qu'à faire, et je vous dis à dans 2 semaines. That's really it. That's really it. Donc voilà, ce 101% est terminé. Un grand merci à vous. Donc je rappelle votre nom, Erecta Katcha. Katsa. Erecta Katsa. Votre album s'appelle Happiness. Donc, pour l'instant, il est sorti en Pologne. Il arrivera en France en juillet, je crois. Vous allez profiter de Japan Expo. C'est ça? Tac. Tout à fait. Donc, vous êtes en concert à partir du mois de juin sur la France. Donc, vous êtes dans quelles grandes salles, alors, je crois? Alors, Opéra Garnier. Opéra Garnier. Plusieurs petites salles. Oui, je crois que vous allez à Lyon, Marseille, enfin les grandes villes. Et une soirée exceptionnelle à Japan Expo aussi. Tac. Donc je rappelle que votre spectacle dure à peu près 3 heures, c'est ça hein? 3 heures et 30 minutes. Et 4 minutes. 30. Et 30. 30 de 3h30. Tac. Très bien. Merci beaucoup, et puis je ne manquerai pas d'envoyer des gens voir votre concert, moi je peux pas. J'ai un invite pour tout. Non, je sais pas. Merci, et à bientôt sur No Life. Erecta, on était très contents de vous recevoir dans l'émission, donc tout No Life et moi-même, nous sommes cotisés pour vous offrir cette bande dessinée, c'est Ardèche 2000, c'est pour découvrir une région de la France, c'est une région qui me touche beaucoup vu que je viens de là, ça c'est Marc Seguin, il y a une statue là où j'habitais avant quand j'étais petit, ça les frères Montgolfier. Très touché, très touché. Cadeau. Moi. Cadeau. Très gentil, très nous. Gentil. Nous. Merci. Là, tout est cassé. Voilà, oui, on a écrit. Très gentil. Alex, tout ça. Moi, pour remercier, oui. J'ai chanté encore une chanson. Par exemple, sur Zelda. Oui. Fontaine Fée. Oui. J'ai écrit texte. Très bien. En polonais. Oui. Allez-y. Très bien. Merci. Je suis très content. Concert Merci. Privé, c'est pas tous les jours. Todo estoy en esta lo corre por si as for in the storm el hoyo la de pronto estoy aquí amor es ore por hoy da sor da froden doris quien da lior o brodo story pon tapir com estar vzos dos tien tacti do esta bat fim no prais da sta Under it can a man frame But we're at the sun, the fear of one day long
t'aurais fait.